Salut tout le monde, je se retrouve pour le troisième round de ce championnat. On se retrouve à Monaco et je suis accompagné malheureusement bah Titi. Salut Titi, Salut Boom. je vais te laisser présenter cette grille. Alors pole position de NY Casta en une 12-3 en Super Soft, suivi de Hexta en une 13-0. Patou une 13-7 qui devance son coéquipier X-Citizen une 14.5. Deuxième ligne Red Bull Racing. Ensuite, cinquième position, excellente performance de GNPGD, une 15.1. Triche. Suivi de Terence Hill, Greg 76-110. Le coéquipier de JN prend la huitième position, XX Goten XX. En neuvième position, Jeton Rat, suivi de Nono 1001. Toonixstaz et enfin les pénalisés. Donc en douzième position d'abord DTM Chevy Driver. Et enfin, en 13e position, le leader du championnat du monde, TSP Matisse. Donc des pénalités qui suivent les accrochages du Grand Prix de Bahreïn la semaine dernière. Trois absents, il y a moi, je sais pas qui et je sais pas qui. Et oui, donc qui a été suspendu par la FIA. N'importe quoi. Bon, allez. Iceman qui n'a pas réussi à ramener sa voiture sur la grille avant le tour de formation. Et le dernier, je ne sais pas qui c'est ensuite. Bon. On verra bien. Bon, en tout cas, on va partir pour cette course qui va être nulle à chier, on vous prévient, parce qu'il n'y a que deux caméras. Voilà. C'est génial, 39 tours à Voilà. commenter, ça va être beau. Et c'est Et parti. c'est parti avec JNPGT qui prend un bon envol, juste derrière City qui protège sa position déjà. Attention contact au premier virage, ça passe sans encombre. Hexta! Hexta et Patou qui se rentrent dedans. Ouais, des élèves qui volent partout là. Et City et JN là qui prennent les deuxième et troisième places suite à cet accrochage. Et Asta qui va commencer à s'envoler. Ah oui, Asta qui est déjà parti à l'autre bout du monde. Donc on a 7 dixièmes d'avance en qualif, plus 7 dixièmes sur le troisième. Oula! Ou alors que Toonixstaz est resté collé au mur. C'est Nono. Ouah, Nono. Il se fait Nono qui repousser. bloque des roues, il a Toonixstaz derrière lui et Matisse qui a Et déjà les points. gagné à 3 positions. Ouais, Mathis déjà dans les points. Et il a beaucoup à faire sur ce Grand Prix, hein. C'est qu'il aime pas trop partir double temps. Allez, On va voir ce que Mathis qui ça va donne. doubler le Tauber. Ça va être fait, mais dans le tunnel, c'est pas très pratique. Bon, ils sont à deux de front. Et ça passe tranquille pour Mathis. Il va chercher les gros points. Vite fait, bien fait. Et Matisse déjà 8e. Ouais. Et Nono, on peut la sortir contre lui. Il est sorti tout dur. Voilà. Ah, pour une fois que c'est nous qui la faisons, celle-là. Ouais. Il y a deux. Oula, Oula, il passait le près du mur. mur. Ouais. Et Asman qui est rentré chez lui. Alors que la quille a déjà volé. C'est qu'il y a une instruction pour les pilotes de ne pas toucher cette quille pour le Grand Prix. C'est juste pour faire peur. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qui est le cas là. Nono protège sa position face à Driver. On n'a pas fait gaffe. Oh, Oh! il fonce dans le mur! Et Mais quelle abandon. bite! Nono, je te le dis, mais t'es vraiment une bite, Nono. Tu m'as Voilà, prévenu en premier plus, abandon Nono. de ce Grand Prix dès le deuxième tour. Chapeau. Félicitations! À Nono, qui vient de gagner le premier crash de la saison. T'auras droit à ta pick-up la semaine prochaine, t'inquiète. Enfin, quelque chose me dit que bon, il préférait quand même aller sur la yacht et retrouver les jeunes filles de l'équipe Sauber sur leur bateau. Ouais, il va faire Kimi, il va retourner dans la piscine. C'est quand il a la moule. Va regarder le Grand Prix tranquillement. Ah, et Asman qui va leur rejoindre, on le voit. Ah Ouf. bah, ils ont oublié la piscine à Monaco. Hein. Ça passe avant tout, hein. Et on le voit, les gradins qui sont bien remplis, les bateaux sont là. Il Oh, devrait il y pas en a s'endiguer qui? le nono. Deux tours, 4 secondes, 3, ça fait mal, hein. Ah oui, Ça, Astal, lui, j'avance, hein. il est sur une Pas autre d'arrêt. planète, hein, sur ce circuit. Et Maintenant, je reste à gagne savoir sur le bouchon. Enfin, le qui bouchon sera JN. oublié. Le bouchon JN. Ce serait bien de le voir. Là. Et le premier qui va s'amuser à le faire sauter, c'est Greg, de Pilote Lotus qui a On va le faire maintenant sauter, passé hein. Extra. On reste dans les normes, hein. Ah, surtout que JN n'aime pas la pression, donc à Monaco en plus, ça va pas le faire. JN qui est quand même réalisé le cinquième temps, donc Ah, on est à Monaco, hein. ah Tout le bah monde a quand même pris une mûre, hein. devant son coéquipier et des noms prestigieux hein, comme Greg Nono, etc. Donc Ouais. J'aurais été là, Léo, t'es sixième, hein, faut l'avouer. Hein.
était qu'à, je crois, une demi-seconde hein, derrière Red Bull. Donc, ouais, ça peut faire une bonne course. Surtout que doubler à Monaco, c'est impossible. Tant que ce soit clair. T'étais en pause en début de course ou Henri, j'ai pas vu. Je crois qu'à bout d'un moment, je me suis mis en pause. J'avais plus rien à. De toute façon, là, foutre deux secondes autour. J'ai juste arrêté sur la piste en attendant la suite des événements. Il te met deux tours et tu mets deux tours. Deux secondes, oula. Je suis encore dans tout, ça va pas le faire. Alors que derrière Gienne, je dois avoir un bon groupe de 4 ou 5 voitures. Ou plus même là. Ouais, voilà. Tout le ton, allez, c'est parti. Alors que Aston met 3 secondes autour à City, c'est génial. Ça, c'est fait. Seulement si tu quittes le Red Bull. Hein. Ouais, c'est ouais. Quand même de pas trop en faire. C'est plus le contrat quand même. Hein. Allez, un flashback pour se faire un peu moins chier. Passe avec le monsieur Bouchon. Ça plutôt, c'est Matisse 4ème. Un avancement dans le temps. Et oui, Matisse. Lol. Double Greg et tout le reste. Ouais, pilote McLaren qui est déchaîné. C'est un bon bouchon, Gien, là. Il y a de la pression derrière. Hein. C'est du bon champagne. C'est parti en dur. Ouais. Gien qui a déjà 11 secondes de retard en 6 tours. Oh, il s'en fout, lui. Le temps qu'il ramène les repoints, hein. Il s'en fout de l'écart. Oh, Gien. Oh, Gien qui glisse. Il se prend une petite tape dans le cul. Par contre, il est bloqué dans le mur. Il va attendre que les voitures passent. Non, il n'y a plus personne, il peut y aller. Voilà. Il y a Gien qui perd sa 3ème place. Même perdre 4 places d'un coup, là. Il se retrouve 7ème. Juste devant son coéquipier. Ouais. Il doit pas être très content, le pilote allemand. Lui, parce que Gien est allemand, maintenant. Mais où est Extra? Parce que normalement, on a sa vidéo, mais... Bien sûr, le gnome du CDF a oublié d'envoyer sa vidéo. Hein. Voilà. Bravo, monsieur Extra aussi. Hein. Voilà, Extra qui remet une couche. Hein. Quel feignasse, cet Extra. Vas-y, lâche-toi. On est reparti au 10ème tour, là. J'ai une PJD qui rentre le premier au stand. Extra 7ème. Hein. Je me demandais où il était, bah, il est derrière. Et oui, pilote du Poitou qui va repasser. J'ai une PJD sûrement. Arrête de prendre cet accent, s'il te plaît, monsieur. Je n'aime pas mon accent marseillais. Ça fait peur. Et il y en a un des 10ème tour, c'est assez tôt quand même avec les autres. Ouais, mais il était en plein chapin aussi. Hein. Je sais pas si t'as vu, il n'y avait plus d'appui. Non, bah, plein chapin, ça. C'est très utile, le plein chapin. Ouais. Bah, en France, c'est une bonne baguette, quoi. C'est rien. Ouais, City, il se prend combien là? 13 secondes, ouais, normal. Seconde de tour, un peu plus. Ouais, c'est une bonne moyenne. Voilà, et maintenant c'est Driver 3ème, on comprend plus rien derrière. Et Driver qui, à mon avis, a profité des arrêts d'un peu tout le monde. Ouais, et il est qu'à 7 secondes quand même, Driver. Alors que CSP Matisse détruit son véhicule. Et oui, c'est superbe. Ah, c'est toi qui le Matisse, le leader du championnat. Incroyable. Toi, t'es content, pas moi. Normal, c'est mon coéquipier. Et toi, c'est ton rival, hein. C'est très normal. Ah bah. Maintenant, ça. La vie, d'avoir des sourires dans les casques des premiers, là. Ouais, de tous les premiers. Matisse qui. Son deuxième abandon à Monaco. Première fois, c'était saison 4. Je me souviens bien. Ouais. Il a abandonné dans les derniers tours. Safety car. Voilà, la semaine dernière, on a prédit des safety cars. Et bah, c'est le cas. Et oui, 100% de safety car à Monaco, c'est BF. Il y a toujours eu une, c'est génial. Ouais. Bon, allez, Mathis, on l'a vu, il est parti rejoindre la piscine. On va les chauffer maintenant. Et lui, il aura pas grande compagnie, enfin bon. Ça, c'est fait. Bon, Matisse, Titi va rentrer au stand. Et Asta est au stand aussi, bah, tout le monde va rentrer. Ah, mais Asta, il venait de s'arrêter, hein. Non, Asta ne s'était pas arrêté. Ah si, t'as 4 secondes d'un coup. Hein. Hein, t'as pas fait plus de 10 secondes par rapport à son temps. Hein. Ah bah, qu'est-ce que tu crois. Ouais, tu te prends pas pour un deux. Alors que Driver aussi est rentré. Ouais, tout le monde va rentrer. C'est Asta là qui repart devant. Je sais pas combien de durée le temps comme tour, mais bon... Ah bah si on les poussait vraiment, il durait une bonne quinzaine de tours. Ouais, bah voilà, on y était quoi.
Parce qu'il y en a qui vont prendre le pari d'aller au bout avec le timbre. Oui. C'est quand même assez risqué. Et voilà, safety car qui est sur la piste. Voilà. Le peloton qui va se reformer. Les écarts qui vont revenir à zéro. C'est une autre course qui commence. Oula, oula. Elle cherchait de la gomme, Asta, ou quoi? Peut-être. Vérifier peut-être une publicité sur le mur. En fait, il a réservé le bout de mur quand il va taper dedans. Voilà, c'est pour ça. Nono a fait pareil, sûrement. Ah oui, ça y est, ça. C'est comme son mur. Il a marqué son mur. Hein. Allez, il a ramené un bout de tôle chez lui. Alors, troisième driver, je demande qui est quatrième. Eh ben, on le saura pas. C'est dommage. En comptant la safety car, ce serait driver quatrième, même. Bon, si ouais. T'arrêtais de faire ça et que tu regarderais derrière, on saurait, mais bon. Voilà. Je crois que derrière, de toute façon, il y a Toon. Allez, messieurs, regardez bien au milieu de la caméra et vomissez. Allez-y. Là, vous avez de la chance. C'est important de garder ses pneus chauds, hein, Monaco. Bah, t'as un problème pour les chauffer, là, quand même. Hein. Ah bah, justement. Pour un Matisse. Je redouble d'efforts. Putain, la vache. Un Matisse Asta. Enfin, je vois que des Matisse, moi, un problème. Et oui, c'est l'effet McLaren. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu as fait de ton week-end à Monaco, vu que tu étais suspendu? Ah, très bonne question, je sais pas. Je te remets sur... On a vu 2-3 paparazzettes de toi dans des bars nocturnes. Nocturnes? Avec Nono, oui. Nono oui. m'a rejoint le soir même, hein, après la course. C'est vrai. C'est sa copine qui était contente quand elle a vu. Je crois que l'écurie McLaren soit très contente. Des excursions nocturnes. Bof. Tu veux que je fasse quoi? Hein. Sérieusement. À Monaco, hein. Monaco, à part dépenser ton argent, tu peux rien faire, hein. Hein, la semaine, t'invite à la piscine. Et je suis un peu occupé, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois très bien. Je me concentre à ne pas perdre trop de temps sur Driver à la relance. Je sens que je vais passer beaucoup de temps devant lui. C'est de pas faire de faute. Ouais. Allez, sticker encore. Alors, on est dans le tunnel là. Le fameux tunnel de Monaco. Et sa chicane qui a été de nombreuses fois modifiée. Ouais. Avant, c'était limite une ligne droite, c'était beaucoup trop dangereux. Est-ce que tu pourrais ton micro de ton cul, s'il te plaît? Mais non, non. Ouais, je vais essayer, c'est très confortable. Gilles, excuse-moi, mais tu déteins sur tout le monde. Hein. Le micro dans la boue, dans le cul. C'est bon, t'as retrouvé? Oui, je pense. Voilà, Woody va t'aider, voilà. Ça, on va vous dire, parce qu'on a que ça à faire. C'est qui a planté, monsieur qui a une connexion de 100 mégas, a planté. Ah bah, c'est en ce moment YouTube, hein. C'est pas ce qu'il faut. Hein. Là, c'est safety car, ouais, c'est va rentrer car, en attendant. Rentrer. Et ça repartit. T'as reparti à fond, toi, là? Tu veux double Asta ou... Hein? Ah bah, Asta, il a déjà pris une bonne centaine de mètres d'avance. Ouais, puis tu peux direct. On s'est pas intéressé à la météo, mais il fait pas beau, là. Eh oui, tu es perspicace, ce dôme. C'est génial. Il y avait combien de pourcents de pluie annoncés? Il y avait, de mémoire, il y avait une vingtaine de pourcents. C'est bien, t'as une bonne mémoire. Bravo. Eh oui, manger du poisson. Manger du poisson. Poisson gros. On a vu qu'il était quatrième, c'était CBF, Gnome du Poitou. D'accord. Le fromager. Voilà. Eh oui. Et du coup, qui est cinquième? Pas trop m'en demander non plus. La 4, c'est pas mal. Hein. Ouais. Et je pense que la cinquième position doit avoir jeton rat, si je me trompe pas. Bah, bonne chance pour voir.
Voilà, il y avait une chance là, mais on l'a pas vu. Ou peut-être même Gilles Pugilé, qui sait. Ou Greg. Oui, bien sûr. C'est pris un mur, Gilles, hein, je te rappelle. Hein. Ouais, Driver qui pousse, lui. Hein. Lui, il n'aime pas se prendre une branlée par Asta. Et Driver qui a déjà... Ah bah JN. Eh bah c'est pas tout. Sa pénalité. Oh, oh JN oh. Ah bah oui, sympa les coéquipiers. Terence. Non, c'est Terence Hill. Il l'envoie gentiment visiter le mur. Ah, peut-être une pénale là-dessus. Hein. C'était pas très 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 régulier. Enfin bon. Ouais, JN qui aime bien le mur. On a vu pire. Il a réservé son point de mur, il va y aller. Hein. Juste à côté de Nono. Ouais. Qu'ils aiment bien tous les deux passer nuit ensemble et tout, c'est génial. Ou City, freiné tard là. Enfin, t'as surtout freiné long. Non, mais longtemps. Longtemps. Ah bon, il est tard, hein, donc c'est bon, s'il te plaît. Bon, en tout cas, Driver veut passer parce que l'autre là, le petit Nimbus, il est déjà parti. Hein. Les escapades Nortune, ça te va pas, hein, donc il va falloir te coucher plus tôt. Excuse-moi, je suis pas habitué, je jouais jusqu'à 4h du matin. Alors que Driver me met la pression. Ouais. Et là, ça va dire 7 secondes d'avance. En deux tours. Et oui, je fais le bouchon. Ah, de l'appui dans 15 minutes. Légèrement, oui. Ouais, 15 minutes, ouais. Bon, c'est la météo de Red Bull, donc... Ça va arriver vers... Le tour, la voiture, on n'est pas dans la merde, hein. Alors que Asta tourne 2 secondes plus vite. Ouais, là, on t'entend, par contre, je suis pas tendu, mais tu glisses, hein. T'as fond. Et oui. J'adore les pneus Pirelli, ça s'entend. Vivement les prochains pneus. C'est-à-dire... J'ai hâte de découvrir les pneus qui fondent. Ah, les pneus qui fondent. Ça s'appelle du macadam. Et des pneus où tu peux pas faire plus d'un tour, c'est génial. Vive la F1 moderne. Wow. Oh, Driver, il s'est loupé. Oh, Driver qui tire tout droit à la chicane du port. Et Extra qui repasse. Wow, comment t'évites la quille là pour éviter de te prendre une péna. Moi perso je serais tout droit pour me faire chier. Ah bah on te connaît Dôme. Hein. Ah, mais... C'est vrai. Et maintenant c'est Extra qui va mettre la pression sur City. Ouais. Ouais, Driver il a perdu pas beaucoup de temps quand même, ça va. Vite à lenteur par rapport à eux. Il va facilement revenir. Et je crois que c'est Patou qui décroche quand même. Ouais, Patou qui a un peu de mal à suivre. Alors qu'on a entamé la 20e boucle déjà, on a déjà dépassé la mi-course. Ouais, on a passé, ouais. Avec deux abandons. Deux marques. Enfin, deux poids, de marque Nono et Matisse. Ouais. La semaine prochaine, les photos avec leur signature seront dispo, vous inquiétez pas. Toujours sur Nono quand même dans la tête, hein. Il allait tout droit, quoi. Moi, je cherche à comprendre, j'en ai marre tout droit. C'est énorme. Et oui, c'est que Nono est fan d'Esteban Gutiérrez. Quand on a vu ce qu'il a fait en Chine, une petite dédicace. Mon idole. Donc voilà, voiture détruite. J'espère que t'es pas fan de Vettel. Hein. Ah oui, Sébastien Brazel. J'aime à l'appeler. C'est quoi ce nom pourri, excuse-moi. Mais... Bah, le Brazel, c'est allemand, non? Je me trompe pas. Non, je te trompe pas. De toute façon, je l'incarne pas dans ce championnat. Je suis plus Weber. Bah pourquoi t'es deuxième alors? Surtout à Monaco. Bah écoute hein. Juste à la voiture numéro 1, ça le fait très bien.
Ah, ça c'est pas ma faute, hein. C'est les... ceux qui mettent les autocollants qui sont trompés. Les autocollants. Tu crois vraiment que sur une fois on met des autocollants? Eh ben oui, tout ce que tu vois là, ce sont des, auto... des autocollants qui sont sur la voiture. Les stickers. C'est pareil. Mais non. Si. Non, le sticker, tu l'enlèves pas facilement à la main. Bon, on va pas faire la déco non plus dans Formule 1, s'il te plaît. Ah bah, c'est important, hein, les sponsors en F1. Hein. Et surtout que là, c'est aussi, c'est des stickers, bien sûr. Vas-y. Non, non, mon casque, il est parfaitement peint à la main, peinture à l'huile. À l'eau, tu veux dire. Comme ça, quand il pleut, tu sais très vite. Et oui. C'est la nouvelle technologie. Wow. Alors qu'il y a toujours Extra qui, décidément, mais pas plus de pression que ça, apparemment. Peut-être pas sur des ventes. Wow. Tu vas te le manger, le mur là, c'est pas possible. Hein. Et non, tout ça c'est en maîtrise totale. C'est maîtrisé. Je ne surconduis absolument pas. Ça se voit. Par contre, là, tu sous-conduis, là, tu es dans un faux rythme énorme. Hein. Ça. Ah. De toute façon, l'intérêt là pour moi c'est de rester devant les deux. Oh là là. Ouais, la première toujours place, des... normalement, oh, c'est mort. Ouais, bah là, de toute façon, dès le départ, c'était mort. Hein. Oh, Stack, s'est bien rapproché là. La météo annonce de faibles pluies dans environ 10 minutes. 10 minutes, la pluie, 10 minutes. Ça, c'est 8-7 tours. Enfin, la pluie à Monaco. C'est jamais arrivé au CBF. Si, la saison 4. Il y a eu deux gouttes. C'était génial. J'appelle pas ça de la pluie alors. Ah bah de la pluie c'est de l'eau, hein, on est d'accord. Oui, bon, enfin bon. On va dire qu'il n'y a jamais eu de piste mouillée à Monaco. T'es content? Bon. Je suis sûr que si pourtant. On s'en serait souvenu, je pense. Il y a tellement de choses à souvenir au CBF aussi. Hein. Tellement de boulettes qui sont faites et d'exploits. Eh oui. Alors, on vient de... Enfin, je sais pas si je suis en avance dans le temps par rapport à toi ou pas, enfin bon... Là où à un moment donné Mathis, c'était le petit rebord orange là qui s'est pris. Bravo, GG. J'ai pas compris. le mur. Il stack orange, je crois. Non, il se touche. Et non, ça ne passe pas. Et driver là, lui, par contre, ça va passer, hein. J'en suis sûr, il va y aller sur Xta. Oh, notre front dans la montée. J'ai eu peur, c'est les deux flèches ont disparu. Je pense que ça m'arrangerait bien qu'il se touche, mais enfin bon. Pas trop en demander non plus. Il n'y a plus qu'une flèche, mon driver s'est ravisé. J'ai des pertes de signal, c'est magnifique. Mais quelle bite! Heureusement que le réalisateur est là, donc Woody. Ah oui, réalisateur fantastique. Oula, ça pue la critique par l'ancien réalisateur. Vas-y, fais ta critique. J'ai rien à dire, absolument rien. Pas le tout. Ouais. Je vois pas comment tu peux voir le mal partout, Dôme. Oui. Je suis paranoïa. Woody l'a vu, regarde, il est en train d'écrire quel enculé ce City. Ah, le dis pas, s'il te plaît. Désolé, Woody, c'est joli. Et oui, j'ai retrouvé le signal, c'est génial. C'est génial. On entame le 25e tour, Asta 15 secondes d'avance. Et City qui a réussi à prendre une seconde 3 d'avance. Et bah, c'est normal, ce driver vient de passer. Hein. Bon, ça va pas durer longtemps. Oh, JN, je croyais qu'il était mort. JN qui va aller attaquer Patou. Mort de rire.
J'y qui suit pas tout. LOL! J'ai qui doit. Qui doit orgasmer déjà dans son ça doit monoplace. Dire, c'est J'y qui a rattrapé pas tout. Et oui. Il y a un truc logique. C'est qu'il est encore en plein chapin. Il a dit j'ai pas cassé les deux ronds. Bah, tu m'étonnes, hein. En plein chapin, le bonhomme. De toute façon, les ailettes à Armaco. Ça sert à rien. Si c'est pour renforcer les murs. Ouais. Ah, regarde, voilà. Eh oui, petit réseau sur le mur. Jeton, il va y aller, jeton. Jeton, il va mettre ta petite pièce, il va passer. Eh oui, le japonais, vietnamien, Shinto, il va passer. Oh ouh là là. Oh, le strike. Non, petite incompréhension. Hein. Jin qui est un peu bloqué, jeton, mais jeton qui allait partir sous droit, de toute façon. Donc Jin peut garder sa position. De toute façon, quand on freine là où a freiné jeton, on peut le quitter. C'est tellement vallonné. Oh, Jin. Oui, Jin qui adore les murs, décidément. Ça fait 4 murs qu'il réserve pour la soirée. Tu peux pas avoir 4 soirs de ce. Je te crache à un endroit, pas 4. Voilà. Il va remettre des ailettes là, il y en a mort. Il va vite les repérer aussi, par contre. Alors, il y a des hommes de Mercedes spécialement placés autour du circuit pour aller ramasser les ailettes que JN perd. Après, il y recolle et il lui redonne. Exactement. Non, mais tenez, United prennent tellement de fois le mur. Il n'y a pas 39 ailerons, hein. Non, ça c'est sûr. Est-ce qu'il va couper la ligne jaune? Non. JN qui ressort 10e. Allez, je crois qu'il est revenu City là. Asta du Sarit. Non, il n'a pas. Il y a du Fener. Non, c'est un retardataire. C'est un retardataire. C'est une. C'est Tunic Stas. C'est une Toro Rosso. Qui se prend un deuxième temps. Dans 5 minutes. On va arriver, c'est putain de pluie. Allez, Driver, tu disais qu'il ne mettait pas la pression. Ben attends. Il arrive. Là, il va. Très chauffé, le diffuseur. Oula. Extra aussi. Ça a réussi à tourner. Dommage. Ouais, tu roules encore 18 ans. Ah bah. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre, de toute façon? T'arrêtes de boire un café, t'accélères, hein. Ça sert à quoi? Je rattraperai personne, de toute façon. Je sais plus c'est qui avait dit ça, mais. T'as une pédale, c'est l'accélérateur, faut appuyer dessus. Ouais, glissade! Oh, ça se touche, ça a touché. Non, Driver qui passe à l'extérieur. Oh là, Pixel, il s'en bat les couilles, il y voit. On est long à rien qu'on a pris un coup. Oh, faut pas ta chouchotte. Hein. Il y a Driver qui prend donc deuxième place, tout en partie 12e. Et là, lui, il va se casser. Il y a Driver qui doit encore s'arrêter. Bah bon, connaissant Driver. Je vais vite le rattraper, il sera encastré dans le mur. Oui. J'ai rien dit. Voir le mur. J'ai rien dit. Ah bah, merci, Robin. Voilà. Oh, oui. Bon, bah, ça va être un deuxième arrêt forcé. D'accord. Il est très malin, toi, Gino. Il te demande de passer au mélange 3. Ah, t'as coupé, par contre. Ah bah. Alors que Toon, lui, fait des bisous au mur aussi. Il réserve le sien. Ah mais là il y a plus de place hein. Faut pas exagérer non plus. Donc il reste 13 tours, je vais aller remettre des options. Et on va aller au bout. Enfin espérons. T'as failli. S'il pleut pas. Ingénieur. Ah oui, ah, c'est tant pis, hein, un perdu, 10 heures trouvé. Deux doigts de pied. Après c'est un mutant hein. T'es 6ème, t'es derrière pas tout, t'as peut-être gagné le pass grâce à ton coéquipier peut-être. Y'a un là, numéro 1 chez les Red Bull? Non. En tout cas, il est trop tôt pour en parler. Officiellement, il y en a pas, mais à l'interne, il y en a ou pas? Non. Ça veut dire oui. Non, pas tout au moins. On se livre une lutte saine entre coéquipiers. Saine. Tu représentes Mark Webber, là tu mens très mal, hein. Non. David. C'est au contraire.
Tu vas te ramener la avant, avant ce Grand Prix, il y avait quoi? Il y avait 3 points d'écart, 2 points d'écart. Un truc comme ça. Avant Monaco, oui, un truc dans le genre. Donc voilà, y a pas de raison de parler de pilote 1 et 2. Comme avec Matisse, hein, y a pas numéro 1 ni numéro 2. Hein. Plutôt moi numéro 1 même, hein, si vous voulez savoir. Oui, bien sûr. Ah, c'est vrai. Hein. Si on prend le système du golf, c'est moi le meilleur. Le système du golf, c'est quoi ça? Bah, c'est celui qui a moins de points qui gagne. D'accord, oui, d'accord. Oui. Là, je le domine complètement. Hein. Plutôt aussi. Si on le prend comme ça, oui. Oh, il roule en 1 minute 20, non mais oh. Ah, quelqu'un qui vient de sortir des stands. Et quelqu'un, hein? Et c'est Extra, oui, c'est Extra qui vient de sortir des stands, non? Elle est fromagée. Le gnome qui devait commenter ses courses, mais... Ah oui, c'est CBF Extra. Il y a dû avoir quelque chose, une pénalité, un changement de pneu, je ne sais pas. Eh bah, pas tout, lui. Donc il n'y a pas tout qui est dans le mur. Voilà, il a pris sa place. Les cinquièmes. Ça sent la stratégie, c'est Red Bull, hein. C'est effet express. Hein. Il y a conspiration sur les Red Bull. Ouais. C'est incroyable. Déjà l'année dernière, hein, ça se voyait de loin. Enfin, de près plutôt. Enfin, non, de loin. Oh la vache. Casse de gagner pour City. Ok, il est très malin ton ingénieur. Hein. Il dit qu'Extra va beaucoup moins vite que toi. Et pourtant, tu le rattrapes pas. Normal. Ah bah. Il doit avoir des données que nous n'avons pas. Ah, c'est ton ingénieur. Hein. Ouah, t'as accéléré ton 17. Bravo. Oui, oui, 3 secondes de mur d'un tour, c'est incroyable. Bati a amélioré son meilleur temps au tour. Alors qu'il commence à pleuvoir. Eh oui. Ouais. Ça se voit. Très bien. Alors, si vous voyez des gouttes, mettez la mute en commentaire, enfin dans les réponses. Parce que là. Je pense plutôt que. Mon ingénieur. Eh, il a fumé ton ingénieur, c'est pas possible. Il a fumé, je ne sais pas. Il fait de plus en plus bleu et lui il dit il pleut. On va lui faire passer un test anti-cocaïne à la fin de la course parce que là. Ah, cocaïne, pas que, hein. Cela. Lui, il a dû trop en prendre hier à la soirée organisée par Red Bull. Par contre, c'est pas nous qui fournissons la cocaïne. Hein. Ah, il vous dit qu'il me dit c'est un ingénieur normand, laissez-le tranquille. Ah oui, donc Lotus aurait invité Red Bull pour. L'inverse, enfin. Lui, savez, quoi. Incroyable. On en apprend de tous les jours dans le paddock. Ah bon, en 2016, c'est ce qui s'est passé. Hein. Là, je prends de l'IRL. Hein. Mais en 2016, il n'y avait pas de CBF 361. Donc. En 2007, on était encore en hibernation. C'était encore Fox qui dirigeait ton nouvel grand ami, hein. Je ne vois pas de qui tu parles. Si, tu sais, le KR by Fox. Le truc que tu trouvais stupide. Non, le truc qu'on n'a jamais compris. C'est pas pareil. Mais c'est pareil, si tu comprends pas, c'est stupide, hein. Ben non, pas forcément. J'ai envie de dire, attends, le cricket, tu comprends rien, c'est pas forcément stupide. Non. Tu comprends rien. Ah ouais, vas-y, explique-moi les règles du cricket. Non, moi c'est différent, je m'en bats les couilles. Pas pareil. Enfin, je la vois pas, ça pluie, hein, ça pour dire. Non, mais il pleut là, ça se voit pas, mais c'est glacé, hein, regarde, tu glisses là. C'est fou, hein. Ah oui, effectivement. Faut mettre les pluies là, messieurs, c'est un truc de fou. Je pense que c'est plutôt l'air conditionné qui a explosé. Un chéri de bulle. Va falloir changer la moquette parce que là, il doit plus en avoir beaucoup. De la moquette. De la moquette dans des garages. Alors, j'explique. Fumer la moquette. Non, mais pas qu'un garage. Hein. Ah bah, à Monaco. À Monaco. Oui, à Monaco, oui. Ok, d'accord. Monsieur, oui, monsieur.
Oh, c'est que tu n'as pas beaucoup visité le paddock de Monaco à cause de ta suspension, enfin quand même. J'y suis pas allé. Tu aurais pu aller encourager Matisse. Bien sûr que non. Ça coule de source. Non, Matisse, je le respecte comparé à certains. Hein. Mais bon, Matisse, c'est Matisse. Quand il on reste... a retrouvé JNPJD. Ouais. Incroyable. Ou JN, il rattrape quelqu'un là. Ah oui, c'est Greg, Greg. 76110. C'est un code de lancement ton truc ou quoi? Oh, j'ai vu une lettre et de bulle là. Hein. Ou Toro Rosso, c'est tout de même. Ok, JN. Il faut pas aller potager. JN qui fait le trottoir. Ouais. Pas de zéro. T'as pas de jeu de mots là. Hein. Pas du tout. Prendra celui d'en face la prochaine fois. Et JN qui va aller mettre la pression à Greg. On voit un peu de, d'humidité, effectivement. Gauche de la piste. Ouais, mais ça c'est normal, il y a le port. Ah oui, enfin bon, c'est, pas, c'est la mer Méditerranée, hein, c'est pas. C'est le sang indien. Y a pas de vague, hein. C'est le sang indien. Tout plat. Un tsunami. On va faire de surf, c'est nul. Ah, t'as essayé? Ah bah oui. On va faire du surf dans le port de Monaco. Tu vas me reparler après. Faut déjà aller à Monaco avant, hein. Faudrait-elle qu'on suspende déjà, hein. Injustement. Injustement, oui. Bah oui, injustement. Oui, oui, oui. Je pense que si je l'aurais fait exprès, je l'aurais pas loupé, hein. Je m'appelle pas Ista, hein. Tu l'as pas loupé, hein. Je l'ai pas loupé, il a fini la course, il me semble, oh. Là, là c'est mouillé, par contre. L'ingénieur, il avait pas vraiment trop pu, hein. Comment c'est mouillé? Non, mais c'est l'ingénieur qui a balancé son verre sur la piste. Putain, c'est un putain de verre, là. Hein. Ah bah oui. Vache, il fait 3 km, le verre. 3 km 300, je me souviens bien. Et 12 cm. Hein. Voilà. L'ingénieur qui est en train de maintenir les puits existent. Et t'as toujours pas doublé avec Star, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, va doubler à Monaco. Ah bah, ok. Laisse-moi conduire à Monaco, après on verra. Hein. En plus, il est en dur. Oui, il est en dur. Elle est dure qu'il a mis dès le 9e tour. Donc, bonne chance pour finir la course. Stratégie exceptionnelle chez Lotus. Bravo, on peut applaudir. Oui, alors là c'est l'hôpital qui se fout de la... Bon, vous avez compris. C'est une bonne stratégie, c'est pas toi. Hein. Les expressions françaises, eh oui. Ouf. Excuse-moi, mais Lucas n'est pas assez aveugle pour se prendre un nom d'estampes, hein. Si, il l'a fait. Tu veux qu'on compare le nombre comparé à toi, hein, le plus magique, c'est quand même nombre oui, Allemagne saison 4. Il voit le mur. Il nous voit qu'on va aller vers le mur. Bah non, c'est il nous voit quand même. Alors ça commence à glisser. Ouais. Bah c'est le but de l'eau, hein, c'est que t'accroches moins et que tu glisses. C'est pour ça, tu vois, il y a des rayures dans les pneus intermédiaires et puis c'est pour évacuer l'eau. Oui, bon. Bref. Tu dormiras moins con ce soir. Sinon, on va faire un jeu de pronostics. Vu que j'ai pas envie. Non, c'est bon. Quand on fait alors, non. Extra. Alors, il veut pas se mouiller ce gaillard. Hein. Qui sera qui va remporter la course? Je dirais Asta. Ça, non, je prends un gros risque. Un gros, je pense que Asta risque de gagner la course à 5 tours du but. Ouais. Qu'est-ce qui se mouille? Non, sérieusement. Qui est capable de gagner la saison? 9. 9? Ah bah, les 5 premiers là actuellement. Enfin. De la course là ou ceux-là, je sais pas c'est qui, deuxième ni troisième. Les 6 premiers, voilà. Les 6 premiers peuvent gagner le championnat. Du championnat? Oui. Mmh. Donc Asta, Driver. Oh putain, avec une histoire de. Enfin, c'est Yannick, c'est quoi. C'est. Non, c'est Gotham. C'est Gotham. Donc oui, Asta, Driver, Extra, City, Patou. Matisse, si t'es encore là.
S'il est encore là. Ah ouais, il est en tête du championnat, mais pour toi, il compte pour du beurre. Il est en tête du championnat, donc oui, je le compte dans les favoris. Ah, t'as dit s'il est encore là. Oui, dans la course. Au titre. Non, la course. La quoi? T'as bugué au même moment, excuse-moi. Oh, la alors, attends, de quoi Extas, c'est loupé. Voilà. Oui, on va doubler dans le tunnel. Et c'est fait, manier. Mais Extas, il lâche pas. Lâche pas, Extas, rentre-lui dedans. Bordel. Là, ah, c'est une place qui va sûrement coûter cher dans cette fameuse course au titre. Et Terence est troisième, mais qu'est-ce qu'il fout là? On savait qu'il allait faire chez le monde, mais là... Terence, il fait sa course. 8 secondes 3, est-ce que tu seras capable d'aller chercher? Alors, je pense vraiment pas. Oh bah, si tu montes une fusée sur ma bagnole, je peux tout te promettre. Par contre, je risque pas de passer le contrôle technique à la fin. Ouais, bah t'as déjà des trous dans le fond plat, hein. Oh, il est complètement légal. Ixta qui s'est loupé, hein. C'est pris. Ixta qui est rentré au stand. Non, il est pas rentré au stand. Il a fait bim, boum, badaboum. Si, il est rentré au stand. Non, il est pas rentré au stand. Attends, j'ai fait la course, je peux te dire qu'il est rentré au stand. Hein. Bon. Il est rentré au stand, c'est bien ce que je dis. C'est chiant. Ses pneus étaient morts. Voilà. T'as allé ramasser la capote de GN, c'est sympa pour lui. Mais on va arriver à la fin de la course déjà. Ouais. On espère que c'est Canada la prochaine course. Il y aura plus de caméras. Du fait de plus d'action. Oui. De toute façon, il y aura plus de caméras, ça c'est sûr. Ah, on sait jamais, hein. Il y aurait qui comme caméra? Il y aurait Nono, il y aurait toi, il y aurait moi. Il y aurait... Ouh. Alors que là, on met son empreinte sur le mur. Figure hostile. Spectateur. Du drift très pas contrôlé, hein. Voilà, l'ingénieur qui t'engueule, qui dit rentre, fais pas chez le monde. Et t'es en riche. Donc tu veux aller chercher Terence. Ah bon, on m'a fait partir avec une citerne, donc... une citerne. C'est pour ça que t'es lent, alors. En fait, tu dois faire deux courses à la suite. Je suis parti avec 300 kilos d'essence. D'essence. Eh oui, d'essence. Non, mais t'as fait un truc en mettant dans la poubelle, donc du coup, ça a coupé ton micro. Extra 4, 10 secondes tout pile. Je suis désolé, mais le virage là, tu le coupes. Hein. Je vais faire mon Villeneuve, mais c'est dégueulasse. C'est pas de la course. Tu veux faire ton Villeneuve? Vas-y, parle québécois. Non. Ah bah si, attends. Non. Désolé, tu l'as dit. Il faut le faire maintenant. Eh non. Voilà. Il y a une petite lettre pour les supporters. Pour les commissaires, tu vois. Ouais, t'as les plus rien, ils ont bien mangé quand même. Là, tu dois glisser à mort. Bah, la preuve, tu prends les plus. Meilleur quand même. En tout, en explosant une. De toute façon, ça va pas être trop dur, hein. Dit-il, en n'ayant pas roulé à Monaco. Bah, excuse-moi, je me rappelle, c'est pour ça que je faisais ces chronos. En qualif. C'était un autre règlement. Tu m'aurais pas rentré dedans à la saison 7, hein. Oui, bien sûr. Qui a eu l'idée de faire un 360 en plein milieu de la piste? Comme tu l'as dit il y a 30 secondes, c'est public. En fin de course, je peux comprendre. En début de course, et bah c'est pour chauffer les pneus. Alors Casta vient de franchir la ligne d'arrivée. Victoire complètement facile. Inattendue. Il a dû se faire chier. Le deuxième, ça doit être Driver. Un driver qui finit pas loin derrière. Asta a crevé à la fin. Asta a crevé. Et oui. Il avait ravitaillé en même temps que moi et puis il a crevé. Donc coup de bol pour lui. Ouais, de toute façon, la perdre c'était un coup de malchance énorme. Hein. Va-t-il améliorer City? Non, voilà. Il fait le connard, il ralentit. Et JN
Oula, il gagne une place. Jetons dans le mur et il gagne une place. Oui, il gagne une place. Attention, il y a Greg devant. C'est le dernier tour, hein, vu qu'eux, ils sont à un tour. Ouais. Est-ce que JN va aller chercher... Ouais, Greg, il déçoit quand même. Hein. Les tapas espagnols. Greg, il déçoit, c'est... il faisait le malin. Hein. La fin de saison GP2 agacé des critiques qu'il a reçues. Bon, perso, j'aurais pas réagi comme ça, j'aurais dit aller vous faire foutre. Mais bon. L'origine, il est prêt, là. Ouais, il va aller attaquer la fin du tunnel. Limite, il y a le crash, mais ça fait rien dans le dernier tour. Non, Gine, c'est Greg. Pas. Oh, il le bloque, il le bloque. Il est là. Oui. Coup de roue, là, il y a un coup de roue. Allez, Gine, faut freiner tard, faut y aller, on s'en fout des dégâts. On a plus rien à perdre. Oh, bah, c'est Greg qui se loupe. Oh, Greg qui se loupe. Gine. Gine qui pousse, il me fout dans le mur, mais bon, non, il pousse pas, arrête, il essaie de passer à gauche. Oh, ça. Dépassement musclé, on va dire. Non, dépassement autoritaire. Allez, JN qui va prendre la 7ème place, il gagne 2 places à la fin. Beau Grand Prix de... On va te laisser de Monaco. Hein. Oui, donc victoire écrasante, écrasée de Henning Rekasta. En 52 minutes, que ce fut long. Devant DTM Chevy Driver à 24 secondes, Terence 03 à 27 secondes, Exitizen à 36 secondes, CBF Extra à 49 secondes. X-Patou 57, le dernier pilote dans le tour du leader à 1 minute. Ensuite, JNPJD, Greg 76-110, Jetonra 76-51. Goten prend la 10ème place, Tunixtas termine à 3 tours. Il égale le record de JNPJD il y a quelques saisons. Et enfin, Mathis et Nono ont dit bonjour au mur et sont allés à la piscine juste après. Ouais, meilleur tour de Extra en 1-13-375. Je parlais du mur de City. Oui, de City, oui. De Matisse et Nono. Bah, ils vont leur rejoindre au Canada, je pense. Hein. Non, on verra un autre circuit urbain. Hein. Ouais. Et classement. Donc, City. Classement pilote. Matisse reste incroyablement en tête, mais seulement 4 points d'avance devant Rasta. Lui-même qui devant CBF Extra qui a 40 points. Ensuite, on trouve City avec 39 points. Patou, 34. Driver revient bien à 32 points et se relance dans la course au titre. Bon, il est loin, hein. Quand même, c'est faisable. Terence, 26 points. Ensuite, la bataille pour la relégation va être dure entre JNU, points, Dom, 6 points, Jeton, 6 points, Greg, 5 points, Iceman, 2 points. Et enfin, un trio de pilotes à 0 points, Nono, Bumblebee et Tunixtas. J'ai oublié Gotham avec 9 points. Non, points. Je l'ai dit. Tu réécouteras après. Commencer par JN, arrête. C'est pareil. Oh, c'est pareil, Julien et Gotham, vous êtes la même personne. Et le classement constructeur, et oui, Team Red Bull Racing, wouhou, prend la tête. Cheater. Avec 73 points devant Williams, Renault, 72 points. Un petit point d'avance. L'écurie anglo-italienne, McLaren, Mercedes, 3ème avec 56 points. Lotus, 4ème, 45. Ferrari, 32. Mercedes, 17 points. Sauber devant Toro Rosso avec 6 et 2 points. Ouais, donc moi je vous retrouve la semaine prochaine, pas toi, je te veux pas City la semaine prochaine. Non, moi je vais aller finir de bouffer parce que bon voilà quoi. Ouais, t'as faim. T'as mangé quoi déjà? Des piccolini, c'est très bon. Des piccolini. Alors regardez sur internet, ils m'ont envoyé une montre tout à l'heure. Genre tu fais ça. Voilà. Bon allez, on vous laisse, à la semaine prochaine, bye bye. Ciao.